les étoiles avec uh, la terre nourricière. Nous avons cette connexion avec tous les êtres vivants. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Simard. Et ensuite, Monsieur Moss. Merci, uh, Monsieur Simard. Merci, uh, Charlie, aussi. Well. Um, Monsieur George, vous avez parlé un peu de Monsieur Georges, vous avez fait un commentaire. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos deux témoins parce que je sais que vous parlez du cœur. Monsieur Georges, vous nous avez posé une question dans votre témoignage et je commencerai assez brièvement. Je vis assez loin du pipeline. Je viens en Ontario, mais pour moi, la décision d'acheter le pipeline quelques jours après que le gouvernement a déclaré qu'il y avait une urgence climatique, c'est ça qui m'a poussé à faire de la politique. Mais je ne vis pas près du pipeline comme vous et vos ancêtres depuis la nuit des temps. Donc, euh, j'apprécie vraiment que depuis des années, vous défendiez vos causes. Nous avons entendu les PDG des grandes pétrolières faire des commentaires. Un des PDG a dit que la pépeline était une infrastructure essentielle alors que vous avez dit que c'était une variole économique. Vous avez entendu les PDG. Qu'est-ce que cela évoque en vous? C'est stupéfiant. Quand on voit où nous en sommes, lorsqu'on voit où on va, ces tragédies vont empirer. On a noir au, au sud-ouest des États-Unis. J'ai mentionné les incendies et bien d'autres choses. Mon grand-père, le chef d'un genre, qu'aurait-il? Penser. Si j'essaie de lui expliquer qu'il y a quatre, qu'il eu 440 feux de forêt en Colombie-Britannique en une seule journée, pendant des mois, une région de Vancouver a été coupée du reste du Canada du fait de glissements de terrain. Si je lui parlais de la fonte des glaces, si je lui disais que les marées ici ont changé, et on nie tout cela Plusieurs fois, j'ai parlé aux Nations unies. Plusieurs fois, j'ai parlé aux Nations unies et, et beaucoup de chercheurs nous ont expliqué que euh, les carburants fossiles étaient responsables. Comment ne rien faire Des leader du Canada 188 euh, usines d'hydrogène, nous pourrions aller dans cette direction. Nous serions des chefs de file dans l'énergie verte si nous prenions cet argent et nous dépensions cet argent dans un autre domaine. C'est stupéfiant. Et à chaque fois que quelqu'un parle, c est, c est, ces personnes font partie de la race humaine. Les gens prennent des décisions. Et ils font de leur mieux pour les générations futures. Et moi aussi, je fais de mon mieux pour les générations futures. Merci, Monsieur George. Je remercie les deux témoins de leur témoignage.